Bienvenue dans cette série L'Expo en vidéo sur la transformation du bâti. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une extension remarquable qui se trouve à Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines. Comment s'agrandir sur un terrain très contraint ? Proche du centre historique, une famille propriétaire d'une petite maison délabrée de 100 mètres carrés a besoin de plus d'espace pour ses 4 enfants. Cependant, le terrain de 2400 mètres carrés est classé espace naturel protégé et n'est a priori pas constructible. La ville est en effet attentive à protéger son patrimoine naturel et bâti, et cela implique la conservation du tilleul de 25 mètres présent sur le terrain. Face à ces contraintes et à la situation apparemment bloquée, la solution va venir de l'agence d'architecture luxembourgeoise Hertweg de Vernois, architecte urbaniste. Elle propose d'entailler le terrain naturel en déclivité pour venir y installer un habitat troglodyte. Cette fente dans le sol vient faire le tour du grand tilleul et ajoute 220 mètres carrés à la maison. Elle est invisible depuis l'espace public et sur Google Maps, et le permis de construire a ainsi été accordé. L'extension abrite le salon, la cuisine, la salle à manger, une bibliothèque, une salle de jeu et permet d'accéder aux diverses chambres et salles de bain intégrées dans l'ancienne maison. L'extension prend la forme d'un bandeau sinueux de 33 mètres de long, jalonné de 4 ouvertures. De l'extérieur, c'est une façade vitrée toute hauteur, mais de l'intérieur, on se rend compte que le terrain en pente amène une variation de la hauteur de l'allège qui donne une perception de la déclivité. Les charges du plafond en béton armé, sur lequel sont posés 60 cm de pleine terre, sont reprises par 25 poteaux qui sont intégrés dans la façade. Il n'y a aucun autre porteur ou mur latéral, ce qui libère entièrement l'espace intérieur. Les contraintes réglementaires et les spécificités du site ont fait naître une réalisation adaptée, qualitative et contemporaine, parfaitement insérée dans le milieu naturel. Tout cela pour le plus grand plaisir de cette famille qui a pu agrandir sa maison et bénéficier d'un cadre de vie exceptionnel. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine !